Le silence et les poètes qui donnent naissance en ce soir à une essence secrète. Dites-leur aussi que personne ne peut stopper les éléments, que les phénomènes les plus troublants n'expliquent pas forcément. Et dites-leur bien que rien n'est plus solide que le diamant, qu'on ne peut détruire ce qui agit consciemment. On anime des ateliers d'écriture, des formations, on présente des scènes slam et on exporte un peu partout le slam sauvage. Là, t'as pas levé une seule fois le retard de la feuille. C'est un peu normal parce que les textes sont frais, donc c'est compliqué. Trouver une position, parce qu'en plus, on va avoir un micro. Enfin, tout un truc. Et ça consiste à transmettre les éléments de mon parcours, des petites techniques, des petites astuces d'écriture, d'essayer en fait de permettre à ces artistes qui exercent déjà à Bouja de prendre des petites clés de compréhension, des petites astuces, des petits atouts qui vont leur permettre de perfectionner peut-être leur discipline. Je suis seule dans une salle, une salle qui me paraît si vide et si sale. C'est à elle que je parle, c'est pour toi que je déclame. Cet texte est en plein des mots qui crachent les larmes. Vos yeux qui ravivent ma flamme méritent que j'entende de nouvelles syllabes. Et toutefois, je kiffe vos attentions, ma vie est dans scrabble. Tant qu'un mouvement est porté par des gens passionnés, je suis sûr et je suis persuadé que ce mouvement slam peut exister au Burundi sans aucune difficulté. Je ne porte pas de robe, mais si porte des manières fortes. Tes paroles, c'est surtout pour défoncer, surtout pour dénoncer, surtout pour défendre. Des parents, des frères, des sœurs, des voisins qui ne sont plus alors. Des vrais talents, il y a des envies de progresser, il y a une écoute de ce qui se passe ailleurs. Et moi, je suis très confiant pour l'avenir du slam au Burundi.